C'est le signal qui arrive pas, c'est pareil. Voilà, donc
73 JP, si tu m'entends, de la part de Daddy 33. Oui, 73, monsieur Daddy, pas de problème. Eh bien, ce soir, je m'en vais au pro, là, sur Abzac. Ok. Donc, petite soirée, et puis après, après ce week-end, ben, c'est les vacances. Ouais. Moi, enfin, de toute façon, moi, je restais à la fréquence un peu, là. Tu vois. Donc, là, j'ai mis un 2018, là, c'est pas trop dérangeant, et tout. Là, j'ai du mal à te sortir, là. Je suis en plein village, je suis à Puy-Seguin. N'importe quoi, je suis à Puy-Seguin. Voilà, je sors de Puy-Seguin. Vas-y, reviens, là, que je vois ça, hein. Bah, je disais, j'ai un 2018, et tout. C'est pas trop dérangeant, les cons. Non, il est pile poil. Pour une fois que j'entends quelqu'un qui s'est réglé sa chambre d'écho, c'est pas... Non, non, là, il est génial. C'est juste à peine. On l'entend à peine. Il est vraiment comme il faut. C'est vrai que généralement, les gens, quand ils utilisent une chambre d'écho, ils ont toujours tendance à la pousser au maximum. Et on a beau leur dire, ils comprennent pas. Là, elle est parfaitement bien réglée. Hein. Ça fait plaisir, voilà. Ouais. Oh ouais, ouais, je me suis poussé, voilà. J'ai grappé un peu là-dedans, voilà. Mais bon, ça va, impeccablement bien. Ah oui, affirmatif, là, je confirme. Hein. Et putain, je suis en train de tout faire en même temps, là. Je suis en train de conduire, je suis en train de filmer la route. Hachi. Attends, je relâche le micro, j'ai une voiture en face. Voilà, c'était le temps de descendre en code. Voilà, ça y est. Alors j'arrive j'arrive sur Rock. Là, le hameau Rock. Je connais pas du tout ce coin. Eh bien, c'est juste avant d'arriver à Lussac. Voilà, quand tu arrives depuis Seguin, c'est avant d'arriver à Lussac. Ah, d'accord, ok. Ok, ouais, c'est les jours aussi, ouais, ok. Voilà, alors putain, je suis en train de me jouer la vie, là. J'essaie de tout faire en même temps, tenir le micro, passer de vitesse, filmer en même temps. Parce que toi, là, ce que je suis en train de faire, ça va être mis sur YouTube. Voilà. Donc, je suis en train d'essayer de tout faire en même temps et il faut que j'arrive entier au pro. Hein. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux faire pour le micro pour les gens, mais tu passes la vitesse quand même? Ouais, imagine que j'ai un autre problème. Entre les jambes, ça va pas le faire, le micro. Ah, et si t'as un micro qui est un peu percutant, tu mets entre les jambes, et puis tu sers un peu les cuisses pour parler, tu relâches après. Ah, je sortirais bien une connerie, mais là, je préfère m'abstenir, là. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Et puis en plus, c'est des virages qui sont pratiquement à l'équerre par ici. Oh, aïe, aïe, c'est pas triste. En tout cas, ça me fait bien plaisir d'entendre du monde là, de ce côté-ci, puisque là, toutes les stations, Montpont, Ribérac, tout ça, moi, depuis le QRA, j'arrive pas à les sortir. C'est beaucoup trop petit, quoi. Et il n'y a que quand je suis en push de ce côté-ci, voilà, je rentre dans Lussac. Il n'y a que quand je suis de ce côté-ci que je peux enfin discuter avec vous autres. Ok, ok. Ah ben, normalement, d'ailleurs, si je sais bien, il y a un sujet qui est là. Je ne sais pas si il est là. Il y a un menu dans Kadochine. Il doit être parlé derrière parce que je l'ai entendu. Il me disait comme ça, va te coucher, va te coucher. Mais bon, voilà, tu penses qu'il va te coucher, ça t'a parlé. Bon, j'étais un petit peu perdu là, je suis complètement dans Lussac, là avec les éclairages et tout, c'est short. Ah,
Voilà, je viens de passer le petit rond-point là dans Lussac, direction Abzac. Voilà, c'est bon. Voilà, je passe les vitesses en même temps, je fais tout en même temps. Ouais. Mais ça, faut pas le répéter aux YL, hein, parce que pour les YL, un homme est censé faire qu'une seule chose à la fois. Hein. Voilà, faut qu'on garde un petit peu cet avantage-là. Je chie trois coups. Ok. Ok, les 73 de la station que j'entends derrière. Tiens, pendant que j'y pense, tous les vendredis soirs à partir de 21h, les samedis soirs à partir de 21h également, un grand QSO national est lancé sur le canal 27. Voilà. Donc j'en profite là pour faire un petit peu la promo de ça. Et je filme n'importe quoi, moi. Voilà. Donc c'est à partir de 21h, vendredi, samedi soir. Chacun s'organise sur son département pour faire le maximum de QSO là, à ce niveau-là. Et tu sais que tout faire en même temps, ben, en fin de compte, c'est pas si évident que ça. Alors en ce moment, il y a un département, une région qui est très... j'y arrive plus. Je suis en train de me mélanger les crayons. La Camargue, voilà. La Camargue, c'est en ce moment le secteur qui sont vachement actifs, justement, sur le canal 27. Donc voilà, grand QSO national sur le canal 27, les vendredis soirs, samedi soir, à partir de 21h. Voilà, et on essaie de généraliser ça, un peu partout en France pour redynamiser la CIBI, faire connaissance les uns les autres et ainsi de suite. Quoi. Voilà, donc, tu sais que, essaye de tout faire en même temps comme ça, là, en voiture. Mais c'est franchement galère, hein. Là, faut avoir le goût du risque. Hein. Non, je t'ai cité la Camargue comme exemple. Voilà, parce que là, c'est eux qui sont leaders en la matière. C'est même de là que c'est parti. Et on essaie de généraliser ça sur toute la France. Voilà, chaque région, chaque secteur s'amuse à venir taper ses QSO directement sur le canal 27. Dans quel but? Eh bien, redynamiser la CIBI, redonner envie aux gens d'aller au contact des autres, et ainsi de suite. Moi, le week-end dernier, sur la Gironde, j'ai pas entendu grand monde, pour dire carrément personne. J'espère que petit à petit, à force de faire du bruit avec ça, eh bien, ça va finir par se faire, quoi. Ouais, ben si la CIBI s'est perdue, c'est normal, parce que... Bah, comme tu sais, t'as les ordinateurs, et puis t'as Internet, et t'as pas le portable qui est arrivé. C'est ça qui a tout fait vite, tout s'est barré, quoi. Mais bon, il va falloir qu'on fasse une chose, qu'ils enlèvent tout ça, et peut-être que ça va revenir. Mais bon, ça m'étonnerait. Détrompe-toi, si. Ça revient. D'ailleurs, j'ai un groupe là, d'une dizaine de personnes sur Bordeaux là, qui m'attendent, qui ont pris rendez-vous. Et attends que je suis en train de tourner le volant. Putain, la caméra, elle bouge dans tous les sens. Enfin, c'est mon téléphone portable. Ah ouais, à vrai dire, la caméra. Sur la Camargue, sur d'autres régions, j'ai entendu dire que certains, à cause des nouveaux radars et tout ça, veulent à nouveau réutiliser la CIBI comme arme anti-radar. Voilà, des trucs comme ça, quoi. On verra bien, voilà. T'as essayé, j'ai des QRM électriques qui m'arrivent de mon côté, voilà. Je lâche le micro, ça va bien.
Ok, ben je repasse en stand-by parce que là je suis en plein dans les endroits, virages à l'équerre et tout, là c'est un petit peu chiant. Quoi. Je QRX pour le moment. Bon voilà, je viens de passer au-dessus de l'autoroute. Là, je suis pratiquement à l'entrée de d'Abzac. Donc, bientôt rendu au pro. Ok, il n'y a pas de souci, voilà. Ben, il n'y a pas de souci, voilà. Ah, moi, j'ai des cœurs électriques, c'est quasiment bon. Voilà, c'est quasiment bon. Bon, ben, tu passes par dans du quand même, hein, parce que je t'entends. C'est moi. Mais bon, c'est ça. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Hein. Eh bien, c'est curieux parce que moi aussi, là, je suis pas mal saturé de QRM électrique. Et pourtant, je suis en train de rouler et tout, mais là, c'est pas. J'ai connu mieux. Ouais. Ça va pas durer longtemps, ça veut dire quoi? Peut-être une petite demi-heure, 45 minutes, on va le savoir, comme ça, c'est toi, ça sera le tableau plat. C'est tout, et toi, c'est la même ensuite, c'est toujours pareil. Pendant 3 quarts d'heure, résous, JP, il a droit au QRM électrique. Eh oui, c'est là où tout le monde tire au maximum là, sur l'électricité. Et ben oui, forcément, hein, l'un entraîne l'autre. Bah, ça se pourrait. Voilà. Et pourtant, toi, j'ai essayé de mettre un pied très tôt sur cette terre et tout. Ça marche pas. J'ai essayé de faire un tombat, un peu de panapa électrique. Ça marche pas. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est un temps basse entre l'antenne et le sol. Il y a peut-être une solution. Ouais, attends, voilà. Ok. Que j'ai sorti le téléphone. Parce que là, toi, j'ai filmé, je me suis amusé à filmer mon trajet, mais là, je suis à l'entrée du pro. Hein. Donc j'ai vite sorti le téléphone, enfin ma caméra, on va dire. Hein. Ouais, ça fera mieux en disant caméra. De là, pour pas qu'on voie quand même le site. Hein. Voilà, et ben tout, voilà, je suis quasiment rendu, là je suis juste à côté du pro. Hein. Oh la vache, oui, là j'ai pas mal de QRM également là. Tu m'entends JP? Oui, je t'entends pour une clope. Je t'entends. Ah, on t'appelle derrière, JP. Qui c'est qui m'appelle?
Oui, je t'entends, mais j'ai du cœur avec de mon côté, là. Il dit, il est plus que le temps de sortir quand même.